Nom, prénom, date de naissance et qualité. Je suis Charles-Pierre Gaspard de Guédan. Je suis né le 10 avril 1688. Je suis président à Mortier, avocat général, marquis de Guédan et seigneur de Castelet-des-Sauces. Vous savez pourquoi vous êtes là ? Pourquoi je suis là ? Vous allez me le dire ? Bon, Gaspard, vous êtes soupçonné d'avoir falsifié votre arbre généalogique pour effacer vos origines roturières en vous inventant un faux ancêtre. Mensonge, c'est faux. Pièce à conviction numéro 1. En comparant les différentes éditions de l'Histoire de la noblesse provençale, les experts ont découvert que vous avez falsifié celle de 1757 en y ajoutant une fausse lignée d'ancêtres. C'est un scandale. Cessez cette mascarade. Non content de l'avoir inventé, vous avez fait construire un faux tombeau pour prouver qu'il était compagnon de Saint-Louis. Pièce à conviction numéro 2. Ce mausolée, gravé par Chastel, montre un faux gisant et des faits d'armes totalement fictifs. Les preuves sont irréfutables. Vous êtes coupable. Mais nous sommes en 2022. Vous avez de la chance. Il y a prescription. C'est moi, président à Mortier, peint par Monsieur Rigaud, le peintre du roi. Et Angélique, ma femme. Mon fils Pierre-Claude, futur chevalier de l'Ordre de Malte. Et là, mes deux filles, Catherine au clavecin, avec Adélaïde, maîtresse de Casanova. Et encore moi, en Céladon Berger, le plus beau de mes tableaux, encore peint par Rigaud. Ça m'a coûté un château. Admirez la finesse de l'habit. Ma musette. Et mon fidèle lévrier. Regardez, je suis même sur Instagram. Ces trois tableaux de Gaspard de Guédan ont été acquis par un notable aixois au 19e qui s'appelle, c'est la famille Bourguignon de Fabregoul. Et cette famille de collectionneurs nous a ensuite légué la totalité de leur collection pour que l'on puisse les exposer. Et tout ça, c'était au 19e siècle. Et c'est grâce à ces dons, à ces legs, que le musée a pu ouvrir ses portes en 1838. Honnêtement, je pense que c'est le Rigaud où Gaspard est déguisé en berger, enfin en céladon quand même, berger céladon, parce que il y a un traitement des tissus qui est vraiment incroyable et aussi son expression. Enfin, c'est vraiment un tableau qui a plein de détails, plein de significations. Donc ouais, c'est mon préféré, si je dois choisir. Il arrive que dans nos collections, il y ait des tableaux qui ne soient pas attribués à des artistes. Vous pouvez le voir en visitant le musée, parfois il y a écrit attribué ou d'après ou anonyme. Quand il y a écrit attribué, c'est qu'on pense que c'est tel artiste, mais c'est peut-être pas le cas, c'est pas affirmé. Dans toutes les collections des musées, il y a des faux. Malheureusement, parfois on n'a pas les capacités de les déceler. Et c'est le temps qui nous dira si ce sont des vrais ou des faux. Mais des grands chefs-d'œuvre comme les tableaux de Rembrandt ou de Rubens ont pour le coup, eux, été validés.